Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis avec mon frérot Mata, ça va ou quoi? Au calme, ouf, tu connais, on est là. Bon déjà, on est où là? On est dans quel bloc? On est quel quartier? Là on est à l'assainissement, là on est sur le bloc où avant j'ai commencé un peu à faire des petits clips. Après la police ils ont pété et tout, ça veut dire qu'on a arrêté le bloc ici. C'est seulement les poteaux qui habitent ici qui bloquent ici, c'est dur, tu connais. Ouais, il y a eu quoi comme clip ici par exemple? Ici on a fait dans la ville, j'ai fait des petits feats, j'ai fait un feat avec Herman. J'ai fait Sous-estimer 2, qui a bien explosé, qui m'a bien permis de d'avoir la notoriété que j'ai aujourd'hui, tu vois. Les seigneurs palais nous savent qu'à nouveau, assis contre là, l'argent là qu'à renouveler. Et ça pas nouveau, paquet de billets négo, ouais, c'est ça nous voulait. Nous qu'apporter mon neveu parce que nous j'ai commencé ni m'a rêvé. Depuis l'éveil, en 6 et 6 blocs là, un projet levé. Après même, j'ai fait d'après moi son avec le Loxé ici aussi. Ça fait, j'ai clippé beaucoup ici, tu vois. Bon, ça veut dire quoi, LS du coup? LS, ça veut dire l'assainissement. Ouais, tout simplement. Hein. Direct, tu connais depuis le début, c'est LS représente, ça va jamais changer. Hein. Bon, c'est carré, vas-y, viens, on va aller faire un petit tour. Vas-y, moi. Un petit tour au quartier. Déjà, premièrement, toi, ça fait combien de temps t'es d'ici, t'es né ici, t'as grandi ici? Non. C'est quoi l'histoire? Moi, j'ai juste grandi ici. Tu vois, je suis arrivé ici quand j'étais petit. C'est là, d'ailleurs, c'est là que j'habitais. Ah ouais? Ouais, ce bâtiment-là. Celui-là, là? Ouais. Sur ce bâtiment-là, je suis arrivé ici, j'avais quoi, 7-8 ans. Et depuis, tu connais, c'est devenu mon quartier, mon ref, tu connais, on a grandi ici avec les grands, ils nous ont tout appris, tu connais. C'est carré, à quels autres endroits où t'as fait des clips un peu par ici? Partout, mon ref, tu vois là, là on est au mètre carré là. J'ai tout fait par là, ici, partout, là, partout, tu m'as, justement pas. Récemment, enfin récemment, il y a quelques temps aussi, t'as participé à un gros son, Bienvenue aux Antilles avec Josy. Ouais. Et déjà, premièrement, je voulais savoir comment la connexion elle s'est faite. Comment t'as été approché? Comment t'as connu Josy de base? Mais Josy de base, justement, c'est quand j'ai commencé à faire les sous-estimés et tout. C'est l'un des chanteurs bon, qui n'est pas guadeloupéen, tu vois, en Martinique. Hors de la Guadeloupe qui a commencé à me check, tu vois. J'avais pas de connexion de base en Martinique. On a commencé à faire des petits feats, par-ci, par-là, mais toujours sans clip. Parce que lui, il avait ses trucs à gérer, il devait partir en France. Il était en France tout le temps, tu vois. Et on n'a jamais réussi à faire un clip, tu vois. Donc quand il a réussi à avoir l'opportunité de faire Bienvenue aux Antilles, il m'a check direct, ici le poteau. Et sinon, justement, t'as vu les clips comme ça qui réunissent la Martinique et la Guadeloupe? Est-ce que tu trouves qu'il y a de l'entraide un peu entre ces deux îles? Ouais, moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus d'entraide qu'avant, tu vois. Mais bon, les gens ne changent pas. C'est mon point de vue, tu vois. Donc, au calme. Et t'as déjà fait d'autres connexions justement avec des gars en dehors de la Guadeloupe? Oui, Martinique, Guyane, j'ai déjà fait feat avec Titoff, j'ai déjà feat avec Marginal. Moi j'ai déjà fait plein de feats, hein, mon ref. Guyane, Jassik, j'ai déjà fait feat avec Jassik, Kili. Et en métropole, t'as pas. Parce que toi aussi, tu te bases en métropole. Ouais, je base en métropole. En métropole, j'ai pas encore fait trop de feats. Après, j'ai des petits feats qui sont pas encore sortis, t'as capté. J'ai fait feat avec Joker. T'as capté, j'ai fait des feats, tu vois, mais bon, on va pas en dire trop. Là, on est de quel côté du quartier, là, du coup? Là, c'est le bloc principal. C'est le bloc, quand j'ai dit petit rond-point dans mes sons, ouais, c'est là le petit rond-point. Ouais. Et c'est là que, tu vois, là, c'est le carnaval, le dimanche, tu vois. Ça sort les trucs un peu. Ouais, tu connais, on met en route le quartier, tu vois. Le dimanche, c'est ici. C'est ici, le dimanche, tous les groupes, ils viennent. T'as capté, ils se donnent un point de rendez-vous, et tu vois, ici, c'est blindé. Quand t'attends 18h, 19h, c'est blindé, mais viens, on va là-bas. Bon, ça a clippé sur ce bloc un petit peu ou quoi? Non, on n'a pas trop clippé là parce qu'il y a, une petite assurance de personnes en situation d'handicap un peu, tu vois. Donc, comme ça bosse un peu, on n'a pas trop clippé là, tu vois. Bon, après, quand c'est fermé, on peut. Hein. Mais t'inquiète, viens. Tu vois, ça c'est mon frère Youyou, direct. Oh god. Mon frère Le Axe. Depuis tout petit, quand j'ai Le Axe dans mes sons, c'est lui Le Axe. Tu connais déjà? Alpha là-bas, le détraqué. Voilà. Et c'est comment, Mata? Il y a d'autres rappeurs un peu dans le quartier? Oui, mais lui, il rappe direct. Direct, lui, il rappe. Ah, mais viens voir, frérot, viens. Viens, mon ref.
T'as sorti un peu de son, t'as sorti des trucs ou ben pas? Oui. Ben oui, mais ça parle encore. Ouais, parce que le poteau il a eu des petits problèmes avec la justice. Souvent on est obligé de retirer les sons, mais t'inquiète, on va le reprendre en main, on va repartir de plus belle. Tu vois, c'est pour ça on n'a pas trop freiné, ben t'as capté? Mais t'inquiète. Ben oui. Sinon, il y a qui d'autre? Y'en a que. Ouais, tu vois, dans le bâtiment où on était au début, il y a deux frères, ils rap. Tu vas voir, Tidwix, si on les voit, si on les croise, on va. Sur les poids, on va les arrêter. Ça, c'est la cinquième rue, ça. C'est la cinquième rue. J'ai déjà clippé là, sous-estimé un, c'était là. Tu m'as dit, c'est la rue des Haïtiens, un peu, quoi. Ouais. Ici, là, c'est un peu quand c'est Haïtien, tu vois. Mais moi, je suis Guadeloupéen, mais comme j'ai grandi avec eux, tu vois, même dans mes sons, tu vas retrouver un peu de son Haïtien, tu vois. Oh! Mais quand tu fais un reportage, la fin de vidéo, bazote. Ça, c'est Oh, ça. C'est elle qui fait manger pour nous depuis tout petit. Depuis tout petit, c'était même pas comme ça. C'était même pas bien agencé comme ça, tu vois. C'est carré. Alors c'est où le meilleur endroit pour manger au quartier? Le meilleur endroit pour manger, c'est. Je veux dire, c'est ici. Hein. Ouais, après, c'est ici. Après, il y a la 6ème rue aussi, ça se donne aussi, t'inquiète. Mais pas là, on est bloc sud, le nom c'est là-bas. Et le meilleur truc à manger, gros, en Guadeloupe? Meilleur truc à manger? Ouais. Bon, moi je t'ai dit, je viens de bon, là. On je... me parle souvent de la cuisine locale, frère. Ouais, t'as capté, mais après, il y a deux bails. Si tu me parles de. Si on est dans le quartier, je veux te dire, c'est banane pesée, pickles avec de la sauce, tu vois. Mais sinon, moi. Je suis un peu indien, tu vois, je suis un peu mélangé. Moi, j'aime bien le Colombo. T'as capté, t'as déjà mangé le Colombo, ouais, toi? Ouais. Toi, t'aimes bien, toi? Ouais, c'est carré. J'ai bien aimé. C'est carré. Oh, bon, là, on arrive là, c'est là qu'on a fait clip à Sous-estimé 1. Ouais, c'était ici, ouais. Sous-estimé 1, c'est là, et c'est ce clip-là qui m'a permis de me faire un peu connaître en Guadeloupe, tu vois. C'est important pour moi de venir. Bon, après, tu connais là, avec les problèmes qu'on a avec la police, à chaque fois, on a dû. Ouais, décaler tu un vois, peu, décaler ouais. À chaque fois, parce qu'à chaque fois, tu vois, il y a toujours des gens, rassemblements. Et la police, elle les amuse à venir casser les couilles, tu vois, mais bon. Est-ce qu'ils t'ont déjà gâché un clip? Ah ouais, un paquet, mais... En vrai, de vrai, mon ref, dès qu'il n'y a pas de fusil, ben, comment, tu vois, ils sont compréhensibles, tu vois. Mais après, moi, j'essaie de mettre dans la tête des petits jeunes que, tu vois, c'est pas que ça qu'il y a, tu vois. C'est pas que ça qu'il y a à faire dans la vie, il y a d'autres choses, surtout quand on vient d'un quartier un peu défavorisé de la Guadeloupe, tu vois. Donc c'est pas forcément les bras qui voulaient, tu vois. Ça c'est vraiment un cas de dernier recours. Je conseille même pas en vrai, tu vois, mais c'est la réalité des choses et voilà mon ref. Bon, pour reparler de son sous-estimé, déjà quand t'as fait le premier, est-ce que tu sentais que t'allais en faire d'autres ou tu t'es dit c'est un son comme ça et c'est après t'as eu envie et... Dis-toi, moi je suis allé au studio, j'ai fait au moins 5 patates. Ah ouais? Ouais, 5 patates direct. Et ouais, je me suis dit déjà, en fait, de base j'avais déjà fait un son. Et les gens, ils n'avaient pas trop accroché, tu vois, parce que c'était un mode délire au Paname. Ouais, et tu vois, mode les gens, délire. Et tu vois, à l'époque où je l'ai fait, les gens en Guadeloupe, ils n'étaient pas encore assez ouverts, tu vois. State, tout ouais, ils étaient plus délire states. Aujourd'hui, tout le monde est en mode Paname. Ils étaient plus délire states. Et vas-y, ça n'a pas accroché. Du coup, ça commence à faire du buzz, des paroles et tout. Je ne sais pas chanter, nanana. Et moi, ça m'a tellement énervé que je suis allé au studio, comme je t'ai dit. J'ai fait 5 patates et je l'ai appelé sous-estimé, mais je n'avais pas encore l'ordre. Tu vois, je me suis dit ça, c'est freestyle sous-estimé. Je savais pas encore l'autre, tu vois. J'ai sorti le premier pao, ça a pété. Deuxième pao, ça a pété. Troisième, c'est le troisième qui a éclaté. Après le troisième, j'ai essayé de faire 4, 5 et tout. Mais bon, le troisième, il a tellement tout éclaté que... Justement, dans toute ta carrière, on va dire, c'est à quel moment tu t'es dit, ça commence à péter, t'as vu? Ça commence à prendre bien. Moi, j'ai réalisé un peu sur le temps, hein, moi. Je réalise un peu sur le temps. Parce que, tu vois, vu que je suis pas issu d'une famille qui chante, t'as capté, je suis un peu mélomane, j'ai entendu des mélodies un peu partout, tu vois. Du coup, j'avais pas encore d'expérience dans la musique, t'as capté. Donc, en vrai, j'ai commencé à réaliser à partir du million de vues. Ouais, c'était quand le premier million de vues? Le premier million de vues, c'était avec Bonita en plus. Ok. C'est quand j'ai pété Bonita, j'ai essayé de faire un son commercial. Ça a pris, hein. Ça a pris. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir bien, mais même là, j'étais même pas en mode réflexion, j'étais plus en mode vas-y, ça pète, tu vois, et on fait avec. C'est en quelle année ça, Bonita? Bonita, je crois, c'est en 2019 ou 2018. Ouais, c'est entre les deux. Aujourd'hui, c'est le carnaval, mais c'est particulier aux Antilles quand même. Ouais, c'est particulier. Ça se passe comment ici? Tu m'as dit que ça se passe beaucoup en plus ici à l'assainissement. Ouais, l'assainissement, c'est un peu un point de repère, tu vois, pour le carnaval, depuis tout petit, enfin, quand je dis depuis tout petit, depuis bien longtemps. Parce qu'on va dire que c'est un peu une mémoration ancestrale, tu vois. Donc les gens reprennent, mais après c'est les groupes à peau. Hein. Mais bon, après ça, c'est un autre délire. Mais c'est vrai que vers 17h, 18h, tu vois, les 6 rues de l'assainissement, elles sont prises par tous les groupes. Tous les groupes à peau, ils viennent là, ils font une pause.
Et tu vois, c'est là qu'il y a commencé à avoir de l'activité, il y a des gens, tu vois. Il y a même des gens qui viennent regarder, tu vois, ça fait un plus pour le quartier aussi. Et tu vois, c'est comme ça. C'est quoi ton meilleur souvenir durant un carnaval ici? Mon meilleur souvenir? Ah, j'en ai trop, hein. J'en ai trop. Parce que moi-même, j'ai couru le carnaval, tu vois, j'ai fait le carnaval, t'as capté. Parce que tu vois, quand t'habites ici, même si t'aimes pas, t'es obligé de vivre avec. T'es obligé de ça. C'est obligé d'empiéter un peu sur ta vie, tu vois, même si t'aimes pas. T'as capté, donc en vrai, tous les petits jeunes ici, ils vont aller courir dans un groupe. Tu vois, même le dimanche, ils sont même pas là, ils sont déjà en train de se préparer pour tailler. T'as capté? Au calme. C'est dans toutes les communes de la Guadeloupe ou? Ben en fait, dis-toi, à Pointe-à-Pitre, c'est tous les dimanches. Ok. À Pointe-à-Pitre. Okay. Et dans les autres communes, c'est des parades. Et tu vois, okay, chaque dimanche, c'est une commune différente. Ok, je capte. En fonction du planning carnavalesque. Mais ici, c'est tous les dimanches ici. Tous les dimanches. Bon, sinon, faut que tu nous expliques un peu les faits, comment le quartier. Parce que là, je vois le panneau Les Abîmes. Tout à l'heure, c'était Pointe-à-Pitre. Ouais. Ça veut dire, c'est comment, gros? Ça veut dire, frérot, nous, on est basé sur Pointe-à-Pitre et Abîme. Tu vois là où on était là-bas? Ouais. Là, c'est plus côté Abîme. Ok. T'as capté, c'est vers la Croix. Là, tu vois là, après ce panneau-là, justement, c'est Pointe-à-Pitre. Ok. Dès que tu as franchi ce panneau-là, on est arrivé à Pointe-à-Pitre. Mais c'est toujours le même quartier. Toi, tu te considères comme un mec de Pointe-à-Pitre ou un mec des Abîmes? Moi, je te mens pas, je me considère comme un mec de Pointe-à-Pitre. Hein. Je me considère comme un mec de Pointe-à-Pitre parce que l'assainissement, quand on te dit l'assainissement, c'est Pointe-à-Pitre, t'as capté? Ouais. On est collé à La Croix, on est collé à Montenol, Boissard, Washington, Bergevin, tu vois, c'est Pointe-à-Pitre, mon ref. Tu m'as parlé des rues aussi ici. Oui. Tu m'as dit 5e rue, 6e rue, tout ça. Ouais. Ça fait comment ça aussi? Ça. Moi, je sais pas comment ça s'est fait. Quand je suis arrivé, c'était déjà comme ça. Ouais, et je suis sûr que ça fait bien longtemps c'est comme ça. T'as capté, mon ref? C'est la première rue par de là jusqu'à la dernière. Ça fait 6 rues. Et c'est le quartier, il est composé de 6 rues. C'est 6 rues là qui font l'assainissement. T'as capté? Sinon, bon, une question qui remonte à l'ancienne. C'est quoi qui t'a donné envie de rapper, toi, de base? Moi, j'ai toujours été matrixé par Nino et tout. Hein. On va pas se mentir. Hein. J'ai toujours écouté plein de musique. Même. Avant que je chante, je chantais déjà, tu vois, les sons des gens, mais je chantais trop, et tout le temps, chantais. Même la daronne, ça lui cassait la tête à la baraque, t'as capté? Je sais pas, je crois que c'est ancré en moi, hein, je peux rien y faire. Hein. Et en vrai, j'ai commencé à rapper avec mon cousin, chez moi, dans l'autre rue. Et lui, déjà, il voulait faire rappeur. Ouais. Un peu, il m'a incité, tu vois, mais moi, je voulais pas, à la base, je voulais pas. C'est après que j'ai commencé à faire mes affaires, mais regarde là, tu vois là? Ouais. Ça, c'est. On est arrivé dans le nord là. Là, c'est le nord ici, ouais. Du coup. Ouais. Tu vois, là, c'est le bloc. Tu vois, là, c'est en préparation pour tout à l'heure. Tu vois, comme je t'ai dit, il y a le carnaval plus tard. Tu vois, là, j'ai clippé un paquet de sons là. C'est là que j'ai fait business rentable. C'est là où il y a la Jeep. T'as capté? C'est là où il y avait la Jeep là. Ah, c'était ici, du ouais, coup. C'était ouais, c'était ici. T'as capté? Du coup, c'est là. Cette rue là. On a déjà clippé un paquet de sons de Guada à Paname avec le Ken. Tu vois là, il y a le petit truc noir là qui descend là. Ouais. Le rideau noir. Ouais. Là, c'est là où on a fait de Guada à Paname avec le Ken. Ouais, tu connais, là, c'est parler de la mutualité, tu vois. Ah, vas-y, Gino. C'est lui, petit truc, c'est chez lui, c'est dans son bat on était. Il rappelle que son frère, comme je l'ai dit, si vous le regardez, c'est quoi? Dis. T'as sorti des clips un peu ou quoi? Ouais. Il a des bons petits trucs là, vous allez regarder. Il est bon le photo. C'est carré. C'est quoi un matin ici? Il y a des trucs à manger, tu m'as dit? Ouais, à l'intérieur. Ouais. Bonsoir. Tu vois là, on va manger ici aussi, t'es comme là-bas, partout. Je tombe de notre endroit aussi, on va manger. On va voir ça. Ce soir, sur le bloc là, ce soir, tu vois, ils sont déjà en train de préparer les trucs et tout. Ce soir, ça va se donner, je vais te faire goûter un truc là, ce soir. Bah, justement, l'ambiance ici pendant le carnaval, elle est différente. Ouais, tu vas en voir, viens tout à l'heure, tu vas en voir, mon gars. Tu vas en voir, ce soir, ça va péter. Tous les dimanches, c'est comme ça vient. Là, on est chez Kenzie là. Là, c'est un poteau, il a la boutique. Lui, il s'est fait connaître. Maintenant, tu vois, tout le monde connaît Kenzie en Guadeloupe, tu vois, pour les Vaudi. Tu vois, les Vaudi, c'est un type. Tu connais Vaudi? Bah, y a les Français qui connaissent pas. Moi, je vois c'est quoi. Toi, mais... tu connais? Moi, je connais, mais les Français, ils savent pas c'est quoi, faut expliquer. Ça, c'est une petite boisson à base de vodka. Tu bois. Attends, on voit ce qui est écrit derrière. C'est vodka Red Bull en canette, quoi. Ouais, mais on voit ce qui est écrit derrière. Ne consommez pas plus de 2 Vaudi. T'as capté, mon ref? Et justement, c'est quoi ta boisson préférée, toi? Moi, un petit spice hein, avec NSI, tu connais. Hein. Ouais, NSI, je suis amoureux de cette boisson. Si j'en bois,
Vrai anti. Ouais, tu connais. Il y a le stand de Rasta là aussi. Ça vend des t-shirts, ça vend des trucs. Des trucs qui sentent bon et tout, t'as capté? Justement, tu m'as parlé qu'il y a des Haïtiens ici, oui. Des Guadeloupéens aussi. C'est-à-dire, est-ce que c'est mélangé en origine un peu? Oui, mais après la Guadeloupe, c'est ça. Hein. La Guadeloupe, c'est pas que des Guadeloupéens. La Guadeloupe est composée de plusieurs nationalités, hein, tu vois. Mais on va dire qu'ici, c'est un peu plus mélangé qu'autre part. Parce qu'on est derrière un peu le ghetto, tu vois. Il y a Montferrat derrière, tu vois. En fait, tu vois comment on est au milieu de tout. Tu vois, donc tout le monde s'installe et après ça fait. Mais après, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça que c'est bon. C'est comme ça que tu peux mieux réfléchir en vrai, tu vois. Moi, je me dis que je n'aurais pas grandi dans cet environnement-là, frérot. Je n'aurais pas eu la mentale que j'ai aujourd'hui, tu vois. Ouais, j'imagine. Justement, il t'inspire quoi cet endroit-là? Assainissement, t'inspire quoi? Moi, l'assainissement, frérot, pour moi, ça m'inspire la base. Ça m'inspire la base. Pourquoi? Parce que déjà, regarde, tous les groupes, ils viennent ici. Pourquoi ils viennent ici, tu vois? Tous les groupes, ils viennent ici. On est au milieu tout. Avant, c'était un raz-de-marée ici. Ouais. C'est pour ça qu'on a appelé l'assainissement. Parce qu'ils ont tout assaini. T'as capté? Okay, et ça fait un peu quartier. Tu vois, quand tu essaies de prendre la route, quand tu fais par là, tu descends un peu. Et quand tu fais par là, tu montes un peu. C'est parce que ici, c'est un marécage. C'est là que j'ai fait. Longues études. Tu vois, là, on rentre dans le bac. Je rentre un peu parce que les gens, quand ils passent devant, ils se disent pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu vois, ils se demandent jamais, tu vois. Regarde, tu vois, c'est comme ça un peu. T'as capté? C'est là on a fait longues études. Et justement alors, est-ce que le quartier a changé depuis que t'es petit, on va dire? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé ici? Reste un peu la même chose. Mais on a des potos qui sont morts, tu vois. On a des potos qui sont entrés en prison. On va dire, ça c'est un peu... On s'est un peu rétréci, tu vois. Mais bon, comme justement, c'est toujours les mêmes personnes. Là. On est encore plus soudés, t'as capté. Mais comme je te disais tout à l'heure, on est en mode... On est en mode faire des sous, t'as capté. Tu vois, comme je te dis, il y a des potos qui sont morts, il y en a d'autres qui sont en prison, on en a marre de faire des bêtises. Maintenant, on est plus en mode, tu vois, les potos, ils ont mis un petit stand pour faire des sous, tu vois. Les potos, ils vont travailler, les potos, ils cherchent du travail. On est vraiment en mode plus ça que comme mode aller braquer, aller faire des trucs, t'as capté. Parce que on en a déjà vu tellement que on en a marre, tu vois. Justement, en parlant de ça, t'as vu, il y a... On me dit souvent que Pointe-à-Pitre, la situation, elle est encore pire qu'avant, genre ça. Plus ça va, plus ça sent pire, plus les jeunes c'est des fous. Ouais. Est-ce que tu penses la même chose toi? Ouais, moi aussi je pense la même chose mon ref. C'est pire, hein. C'est de pire en pire. Hein. Les petits jeunes ils ont accès aux fusils, ils ont accès à la bulle, ils ont accès au shit, ils ont accès à tout. Rapidement. Et en fait, c'est devenu tellement facile qu'ils ne vont même pas les regarder pour même aller à l'école et tout. Ils savent déjà que dans la rue c'est déjà là. Donc... Même dès qu'ils rentrent au lycée, ils se disent déjà ils ont déjà la mentalité de faire des sous. Avant d'avoir le bac, ils veulent déjà faire des sous. Mais ils se disent pas qu'après, tout ça c'est pour un temps. Et quand ça c'est terminé, après tu peux même pas te reconvertir dans quelque chose parce que tu n'as même pas de diplôme. Tu vois? Après maintenant, tu vois, c'est un petit message comme ça que j'essaie de faire passer aussi maintenant parce que c'est mal. Maintenant ça part un peu en couille, tu vois. On aurait pu faire mieux que ça. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, on a le sang chaud, c'est comme ça. Ouais, ben là on est derrière le cinéma, mais viens, ça va aller direct. C'était quoi? C'était ça là-bas là du coup? Là, direct, je vais te montrer, on va passer dans le petit tunnel. Ouais, vas-y. Tu vois là, c'était le plus beau cinéma de la Guadeloupe, c'est-à-dire, dès que tu commences à parler pour une petite meuf et tout, tu l'emmènes là direct, et c'est déjà c'est où le point de rendez-vous, tu vois. Mais ils ont ouvert un autre cinéma aux Abîmes, tu vois, et depuis il a coulé. Depuis il est fermé, je sais pas s'il a coulé, t'as capté, mais en tout cas il est fermé. Ouais, tu vois, mais t'inquiète, on va passer devant. Et en plus ici, justement, on n'est pas loin du centre-ville, il y a tout à portée de main. Direct. Et tu vois, même le cinéma, ça donnait une petite ambiance aussi au quartier. Il y avait toujours du monde qui passe, on va te commencer maintenant. Ouais, ça a changé du coup. T'as capté? Il y avait toujours des films à l'affiche, trucs comme ça. Bon, maintenant c'est mort, hein. Voilà. Ça veut dire que ça fait combien de temps que c'est abandonné ça? Je peux pas te dire, mais c'est depuis que le cinéma il est arrivé. Le Cinéstar, tu vois, Cinéstar il a ouvert aux Abîmes. Depuis que Cinéstar il a ouvert, okay. C'est terminé. Hein. Mais moi, t'as vu, un truc qui m'a marqué ici à Pointe-à-Pitre, en ville, c'est qu'après 20h, il n'y a plus rien, gros. Il n'y a plus personne dans les rues. Non, la ville elle ferme à 18h, 18h30, faut qu'elle ferme, frérot, parce que ça reste ouvert toute la nuit. Après, tu vois. Ça va inciter aux jeunes à faire des trucs, tu vois, le sang est trop chaud, tu vois. Même quand il y avait la grève, t'es au courant quand il y avait la grève? Ouais, quand il y avait la grève. T'as vu comment la ville, elle était? Ouais, ben moi, j'étais pas en Guadeloupe pendant la grève, mais j'étais en Martinique et c'était pareil. T'as capté? C'est-à-dire, ça a brûlé des bijouteries,
ça pétait la douane. Justement, c'était le bordel hein, pendant la grève, non? Ouais, c'était vraiment le bordel. C'était vraiment le bordel. Ça veut dire que tu peux même pas conduire. Chaque rond-point, il est brûlé. Il y a des gars qui te caillassent, qui tirent sur Watt. Même la police, elle vient, ça tire sur eux. C'était vraiment le bordel. Bon alors Mata, sinon les projets toi ça dit quoi aussi? Mais là je reviens de Guadeloupe frérot. C'est pour faire un petit projet finalement. De base j'avais dit que je faisais que des singles. Mais là je vais regarder faire un petit projet pour regarder comment je m'en sors bien là dans le game là au calme, tu vois. Tu connais. Bon justement t'étais en France, ça faisait un moment que t'étais en France. Ouais. Déjà est-ce que t'as fait un peu de son en France? Ou alors quand tu vas en France, t'arrêtes tout, c'est comment toi? Tu sais en mode je suis en France je suis en mode écriture. Tu vois, j'écris. C'est plus quand je suis ici que je pose. Je pose pas trop en France, tu vois. J'ai jamais les habitudes. En studio en Guadeloupe, tu vois, avec mon beatmaker, mon ingé, tu vois, on est complémentaires un peu, tu vois. Donc on a nos petites habitudes. T'enregistres où en Guadeloupe toi? J'enregistre soit chez Little Mike ou soit chez Don. Hein. Mon studio c'est chez Don. À Zamien, Don Falcon. Bon, sinon, on parlait de la France. Ouais, moi. Je veux savoir, la première fois que t'es allé en France, gros, qu'est-ce que t'as senti comme différence? Dis-toi, moi, je suis parti. À part le froid, hein. Dis-toi, moi, je suis parti en France pour le foot de base, moi. Ah ouais? Ouais, t'as capté? C'est là où je te disais que. J'habite à Aulnay, tu vois, là où okay, je te disais, j'étais pas à Aulnay, tu vois, là, j'étais pour le foot, tu vois, mais direct. Je me suis mis en mode cité, tu vois. Déjà, j'étais matrixé par ça parce que, comme je t'ai dit, j'écoutais du Nino, j'écoutais des trucs, tu vois. Je menais une vie en Guadeloupe qui était un peu similaire, mais je voyais qu'il y avait un peu des blocages. Quand je suis arrivé à Paname, j'ai vu que ça va un petit peu plus vite, t'as capté. Je me suis adapté direct. Et dernière question, frérot, ben, en plus, je sais que t'aimes bien ça, du coup. Celle-là, c'est dans toutes les vidéos, c'est la même. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Paris Saint-Germain. Paris, toi? Paris Saint-Germain. Bon, c'est carré, c'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suit? Moi, tu vas sur Instagram MataLS, Twitter Mata Officiel et TikTok LS Squad 5ème rue, tu connais déjà. Game tout est bon, merci frérot. On est ensemble. C'est carré frérot.